bah je peux pas enlever vos contrôles de traction, c'est vraiment triste. Ah, bien joué les gars. Ah merci les gars. Bien joué tout le monde, c'est bon, c'est bon, ça c'est bien la première. Ouf. Merci dans le chat. Bien joué, merci à tous de nous avoir suivis, on était Oh putain. Ah c'est bon. Champion de l'Audi TT Cup by VDA, première saison, premier grand tour, premier championnat. C'est le Grand Tourisme, la numéro 56 et championne. Bravo à lui. C'est vraiment triste. Ouais, bien joué les gars. Ah merci les gars. Enfin, bien joué tout le monde, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bien la première. Ouf. Merci dans le chat. Bien joué, merci à tous de nous avoir suivis. On était Oh putain. Ah c'est bon. Champion de l'Audi TT Cup by VDA, première saison, premier grand tour, premier championnat.
Ce Gran Turismo, la numéro 56, est championne. Bravo à lui. Et bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la VDA TV. On se retrouve après quelques jours d'absence. On est très très heureux de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien au niveau du son. En tout cas, bienvenue à vous tous. Et donc on salue déjà Gwen, Étienne, Misery, Arnold, Fabrice Gorovenko également est là. Et salut aussi à Mazix Poulet en tout cas. Ça fait plaisir de vous retrouver sur les antennes de la VDA TV. Alors ce n'était pas prévu qu'on fasse un live ce soir, mais voilà, on avait besoin un petit peu de tester 2-3 trucs ici à la régie. Donc voilà, petit live improvisé. Donc voilà, il y a Paul qui est avec moi pour nous accompagner ce soir. Comment ça va, Paul? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Merci. Merci à toi de nous accompagner. Ouais, on va y venir hein, dans un instant. Misery. La première séance de pré-qualif pour la Forge GT Cup by VDA, donc ça sera sur le circuit de Kyoto Yamagiwa, et donc la première séance est à 21h. D'ailleurs on va s'empresser directement d'aller rejoindre le salon, c'est la Circa 911 également qui nous rejoint sur les antennes de la VDA TV, ça fait plaisir. Donc le salon, attention, le salon complet, alors ouais, Arnold, le salon est complet, alors soit tu peux peut-être réouvrir plus de place. En tout cas, voilà, pour les pilotes qui veulent passer ce soir, il y a 3 sessions, hein, une à 21h, 21h30, donc 22h. Okay. On va pouvoir rejoindre le salon. Alors en attendant que voilà, on lance la première séance, et ben on avait à cœur, comme vous avez pu le voir, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en cette fin d'année concernant diverses associations. Donc il y a les 24 heures pour Anna, il y a également ce qui se fait pour Jéhovah la guerrière, et donc la VDA TV voulait absolument marquer un petit peu le coup, et donc on va proposer un événement 24 heures de live. Ce sera le week-end du 13 et 14 décembre. Voilà, on se retrouvera pour 24 heures de course. On va vous montrer rapidement la fiche de l'événement. Alors, je fais une petite présentation rapidement, hein. On fera un live plus officiel, un petit peu mieux prévu pour annoncer cela. Alors, on a un souci de son toujours. Ouais. Ça devrait être légèrement mieux. Et donc le VDTV 24, donc le début de l'event samedi 14 à 19h30, on ira pour les qualifs de la 5ème manche du GT Wag by VDA sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, et nous irons donc sur iRacing, et on va continuer comme ça pendant 24 heures. C'est un gros défi qu'on se lance ici à la régie et au sein de la Virtual Driving Academy. Vous découvrez donc le programme, on ira sur du projet de Cars 2, sur du e-racing, sur du F1 2019 également. Donc voilà le petit programme qu'on vous a cococté pour le week-end du 14-15 décembre. Alors Paul, est-ce que tu as réussi à rejoindre le salon? Alors là, il y a genre un peu. Petite image qui fait plaisir. Bon, en attendant, voilà, on va vous passer le trailer des 24 heures For Anna. Et en tout cas, voilà, vous allez donc pouvoir découvrir ce trailer qui est tout simplement magnifique. On se retrouve dans quelques instants, messieurs.
Sébastien a décidé en fait de se lancer ce défi de faire les 24 heures tout seul. La petite, on veut qu'elle aille mieux, qu'elle puisse sortir de l'hôpital et rejoindre ses parents, avoir des bonnes conditions de vie. C'est la moelle osseuse en fait qui ne régénère pas les cellules sanguines. Une maladie qui coûte très cher et qui est très peu connue. En tout cas, une très très belle initiative. Bravo à toi, Sébastien. Regardez l'image, Sébastien et Sophie qui font le cœur avec les doigts, là, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. En janvier 2019, la communauté du sim racing a réalisé de grandes choses pour aider une petite fille qui se bat contre la maladie. Malheureusement, le combat d'Anna est loin d'être fini. C'est pourquoi, moi et ma fille Iliana, la grande cousine d'Anna, avons pris l'engagement de continuer le combat auprès d'elle, coûte que coûte. Et en janvier 2020, je participerai à nouveau aux 24 heures de Daytona. On compte sur vous pour aider ma petite cousine. Et vous, êtes-vous prêts ? Donc voilà, vous avez vu le magnifique trailer hein, préparé par un pilote, un team manager, je crois, de la Rébellion pour donc, cette association des 24 heures pour Anna. Donc on fera notre event hein, que vous voyez affiché à l'écran pour essayer de récolter un maximum de dons pour aider Sébastien Poitvin ainsi que le pilote de la Gold TR. Donc voilà, rendez-vous le week-end du 14-15. On compte vraiment sur vous. C'est très important de tous se mobiliser là-dessus. En tout cas, voilà, on espère que vous serez nombreux. On va revenir un petit peu à ce qui va nous intéresser ce soir. C'est donc la première pré-qualif de la Forge GT Cup by VDA sur le circuit de Kyoto Yamagiwa. Donc, début de la première séance dans 12 minutes. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Paul ? Oui, je suis là. Ça y est, la mise à jour vient de se finir. Là, je vais lancer le jeu. Bon, parfait. Paul qui va nous rejoindre. Donc, on découvre hein, également cette voiture. Toujours mythique, hein, cette Ford GT40. Salut à Nordin Saki, salut à Lionel Tilly également, que j'ai pas salué. Salut à Christophe Goussard qui nous rejoint. Bienvenue à vous, messieurs. C'est donc parti hein, pour ce championnat, Paul. Championnat qui a été pris d'assaut au niveau des inscriptions. Oui, rempli en moins de 5 salons en une journée. Ouais, 5 salons en un petit peu moins de 24 heures. Donc 5 poules, on rappelle. Hein, donc les 3 premières poules seront sur nos antennes, sur la VDA TV. Et donc la poule D et E seront diffusés par notre ami El Loco tous les jeudis bah, à partir de la semaine prochaine. Ouais, Paul finit sa mise à jour et puis il va nous rejoindre dans le salon. Alors dans cette première séance, nous avons le pilote de la TIF, Nani, qui est pour l'instant meilleur temps de ce petit practice. Godot de la PHX est là également, Mister Mazur de la FRGT, on le connaît bien, Nicolas Jousselin sur la numéro 91, Aoux de la TIF également est là, Marlene, la TIF qui est venue en force hein, directement dans cette première séance, Nico Z de la VDA sur la numéro 5, et donc Lionel Tillier, Thor de la FRGT en piste. Voilà un petit peu pour les premiers pilotes qui vont passer. On a également Evora qui vient de nous rejoindre. Salut à Nitro. Et salut du coup à Frédéric. Comment vas-tu, El Loco ? El Loco qu'on aura le plaisir de retrouver tous les jeudis pour la poule DE. Et salut à Bourville également de la Storm. Bienvenue à toi.
Alors pour l'instant c'est le pilote de Latif qui mène avec déjà une première référence en 1.30.1. Alors Paul, est-ce que tu as eu l'occasion de faire quelques tours toi? Oui, j'ai l'occasion de faire quelques tours, c'est vrai que c'est une voiture très très joueuse, c'est très sensible à l'accélération et ça va être compliqué à maîtriser sur certains circuits. Allez, on est en on-board avec le pilote de Latif qui mène ce practice. Salut à Jean-Luc Martinez également, salut à Ayrton Bass. Ayrton Barr, pardon, de la team FMS, comment vas-tu? Bienvenue à vous tous. Alors, plus que 10 minutes avant donc le lancement, on attend Paul hein, qui a fini, voilà, qui finit sa petite match et va nous rejoindre. Alors, est-ce que le salon est complet? Ah, il faudrait que Evora peut-être libère la place pour Paul. Bah ça va, écoute, on reprend doucement les diffusions, c'est vrai qu'on était un petit peu en pause hein, durant deux semaines. Bah, c'est le temps de se remettre un petit peu dedans, et puis on avait quelques réglages à faire. D'ailleurs, dites-nous hein, si tout se passe bien au niveau du son et de l'image, parce qu'on a eu beaucoup de soucis lors des dernières diffusions, d'ailleurs on s'en excuse encore. Mais voilà, j'espère que ça va mieux. En tout cas moi sur mes retours, pour l'instant j'ai pas tellement de soucis. Allez, Mister Mazur de la FRGT, troisième temps pour l'instant de ce practice. En 1.30.520 pour la team FRGT. Aoux de la TIF pour l'instant est à l'arrêt. Kakouille qui vient de nous rejoindre, mais il va falloir libérer la place pour Paul, messieurs. Alors. C'est la copie. Nickel pour le son et la lumière. Bon, merci Raph pour ton retour. Bon, si tout va bien, ça nous rassure un petit peu. C'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Et ce son hein, de cette Ford GT, assez atypique. Alors, on va attendre donc le lancement dans 8 minutes pour la première séance. On rappelle 3 séances hein, ce soir, 21h, 21h30 et 22h. Il y aura d'autres préqualifs hein, organisés dimanche, lundi et mardi. On a 70 pilotes à passer. Donc voilà, il y a plusieurs créneaux pour tout le monde. Ouais, normalement la qualité de l'image devrait être, enfin, est un petit peu mieux. Hein, Aldo, alors, je sais pas trop si ça se voit ici. Enfin moi j'ai en retour un petit écran, donc forcément j'ai pas la même vision que vous. D'ailleurs je vais essayer de passer mon full screen. Ah, c'est un petit peu un stream test hein, ce soir. C'était pas prévu pour les juges. Je vais peut-être passer en full écran. Ouais, Paul est en copie de fichier. C'était pas prévu, vu que le stream était pas prévu, voilà, c'était pas forcément prévu que Paul nous rejoigne. Donc voilà, la petite mage à faire, mais ça va arriver. Et Nico Z de la VDA qui prend le meilleur temps de ce practice. Une 30.1 pour le pilote de la Virtual Driving Academy. Premier championnat hein, Grand Turismo Sport au sein de la VDA pour lui. Ah c'est ça Sirkam, on a un souci en fait, l'écran de l'ordi, on n'arrive pas à sortir plus parce qu'on est limité par l'écran. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est limité par l'écran, mais voilà. Et pour l'instant j'ai pas tellement de références, hein, Aldo. Allez, Nani Latif, toujours deuxième. Aoux de Latif qui remonte au quatrième rang. Alors, on rappelle que les qualifications, enfin, ces pré-qualifs seront faites en mode entraînement. Hein. Voilà, ça permet aux pilotes, voilà, si ils bug, qu'ils puissent revenir. Le plus vite que j'ai vu faire, c'est 1.29.350. Bah, pour l'instant, on en est loin. On en est loin de ce temps référence posé par Aldo sur le chat. Ouais, merci Loco pour les petites infos. Petites infos techniques de cette voiture.
Ouais, c'est, ouais, je pensais bien qu'on était limité par l'écran, effectivement. Je vais regarder les EDP. Hop. Normalement, on doit pas être mal. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Alors, Kazuya qui a rejoint. Merci de lire. Il faut. Alors, Paul, où en es-tu? Là, je pense que ça va être compliqué. Parce que ça n'avance pas. Oh. Bon. Okay. Tu peux peut-être nous suivre via le live, hein, au pire. Ouais, je suis via le live. Alors Arnold, si vous entend, on peut laisser donc un pilote en plus, au pire des cas. Ah ouais, les copies, c'est infernal. Disons qu'on a 100 émots de téléchargement, on n'a pas accès à une copie. Pour l'instant, c'est toujours Nico Z de la VDA qui mène pour 44 millième devant le pilote de Latif, Nani 28, Aoux qui est autre. Oh ! Rempesquet 79 qui vient arracher le meilleur temps, une 30-0, ça y est, ça commence à tomber dans ce practice. Alors, on n'est pas encore en qualification, début des qualifications dans 4 minutes, mais une 30.0 pour l'instant. Pilote de la numéro 11. Attention ici qui pourrait. Oh, ça joue un petit peu. Des coudes. Amélioration de 2 dixièmes à l'intermédiaire. Alors. Toujours 3 pilotes dans les stands. C'est costaud pour le voir à la gentleman, c'est la surprise, tu vas voir. Et ben on a hâte de découvrir hein, ce pilote. C'est vrai que je connais pas. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux pilotes au sein de ce championnat, Paul. Hein. Ouais. Et pas mal de nouvelles teams aussi. Ouais. On a pas l'habitude de voir. Nouvelles équipes qui arrivent sur nos championnats. Alors. Ouais, on a toujours ce souci de son. Alors excusez les gars pour les réglages, c'est vraiment un stream test là ce soir. Hop. Donc, merci Étienne. Premier pilote grec. Retour. Ouais. C'est une nouveauté. Alors je vais relever un petit peu le son, ça devrait aller. N'hésitez pas hein, pour faire vos retours hein, sur le chat. Et on va avoir aussi de très très belles livrées. Bon, bah nickel, on a résolu ce petit souci. J'ai roulé avec cet après-midi, super plaisant de rouler avec. Et pour l'instant, voilà, hein, on est même tombé sous la minute 30, une 29-630. Donc la première séance qui va donc démarrer. Dans quelques instants, mais on a déjà voilà un petit temps référence, une 29-630 pour le pilote grec. D'ailleurs, on va passer un petit peu en on-board au sein de cette Ford GT40. Magnifique intérieur. Salut à Davy qui nous rejoint. Comment vas-tu, Davy? Et ce circuit de Kyoto Yamagiwa, assez technique, hein, Paul? Oui, alors attends, ça a bugué. Dis-moi tout. Circuit de Kyoto Yamagiwa, je l'ai pas beaucoup pratiqué. Peut-être que tu l'as un petit peu plus roulé que moi. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce circuit, hein, Paul? Circuit assez technique dans l'ensemble, mais après, comme c'est d'entraînement, ça y arrive. Mais c'est vrai que c'est un circuit assez technique. Ah, dites-nous hein, ce que vous en pensez hein, sur le chat de cette version également. Alors ça devait être la première manche du championnat, mais voilà, vu qu'on a réduit un petit peu les manches, c'est ce circuit donc qui voilà, saute
Et du coup, il sera utilisé pour les pré-qualifs. Salut à Fabrice. Salut à GT Gaming Belgique également qui nous rejoint. Salut à Nathan. Et donc, c'est parti, 21h. On va donc pouvoir reset le salon. Alors, le salon va être reset par Arnold. Et on va donc pouvoir vivre les premières pré-qualifs. Voilà, c'est parti. Ouais, moi je regarderai sur la rediff au niveau ce que ça donne au niveau de l'image. On rappelle pas d'usure hein, pour les qualifs. On va juste vérifier. Normalement tout est bon. Allez, oula, j'ai cru voir un pilote bugué. Oula, Godot. On a des soucis de salon, je crois. Alors, on va faire le point, voir si c'est assez arrangé pour quelques pilotes. Et Nani toujours qui... Nani qui est bugué. Godot, ça a l'air d'être revenu. Ouais, et Davy qui encourage déjà tous les pilotes. Alors pour Nani, au pire, il passera à une autre séance, hein, peut-être sur un autre host. En tout cas, ça semble un petit peu buggé. Je sais pas si Nani est sur le chat. En tout cas, c'est parti, les premiers tours de cette Ford GT Cup by VDA. Et c'est lui à Franco qui nous rejoint. Ça y est, les premiers tours. Nico Z de la VDA est en piste. Mister Mazur de la FRGT. Également le pilote grec. Attention, ça peut être la surprise hein, de ce championnat. Kazuya de l'Ultimate Racing Esport. Sur la numéro 21, les deux pilotes de la TIF. Awux Marlin. Godot de la PHX. Thor de la FRGT. Et Nani qui reste au stand. C'est Mister Mazur de la FRGT qui donnera la première référence. C'est le Fabrice de la NLR. Bienvenue à toi. Et c'est donc parti pour le premier tour chrono de ces pré-qualifs. On va suivre ça en on-board. Cet interminable virage à gauche. Allez, trajectoire parfaite pour l'instant. Pour le pilote de la FRGT. Oh, attention, le rail ici à gauche. La petite frayeur pour le pilote français. Allez, ça se passe plutôt bien pour l'instant, malgré cette petite touchette avec le rail. Alors, dites-nous au niveau de l'image, hein, si tout va bien. C'est vraiment un stream test hein, ce soir. Allez, Mister Mazur de la FRGT. Arnold n'est plus avec nous, visiblement. Oula. Effectivement, là. Ouais, il a eu un souci de host. Alors. Ouais, on a eu un souci serveur, là. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là? Ça a bien coupé là. Le salon a fermé, Arnold, pour info. Ouais. Il est fermé, effectivement. Ah, erreur d'application. Ah, malheureusement. Ouais, mais en public, non, parce qu'on va avoir tout le monde qui va arriver. Ça va être. Voilà, ça va être un peu le bordel. Essayer d'en réouvrir un, Arnold. Alors, en attendant, on va donc vous repasser le trailer des 24 heures for Anna. Et donc, n'oubliez pas, gros event, 24 heures de stream pour la VDA TV. Le 14 et 15 décembre, on vous passe le trailer
Regardez-le, messieurs, c'est très très émouvant. À chaque fois que je le regarde, je suis vraiment très très ému. Et on se retrouve juste après, messieurs, à tout de suite. En fait, de se lancer ce défi de faire les 24 heures tout seul. La petite, on veut qu'elle aille mieux, qu'elle puisse sortir de l'hôpital et rejoindre ses parents, avoir des bonnes conditions de vie. C'est la moelle osseuse en fait qui ne régénère pas les cellules sanguines. Une maladie qui coûte très cher et qui est très peu connue. En tout cas, une très très belle initiative. Bravo à toi, Sébastien. Regardez l'image, Sébastien et Sophie qui font le cœur avec les doigts, là, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. En janvier 2019, la communauté du simracing a réalisé de grandes choses pour aider une petite fille qui se bat contre la maladie. Malheureusement, le combat d'Anna est loin d'être fini. C'est pourquoi, moi et ma fille Iliana, la grande cousine d'Anna, avons pris l'engagement de continuer le combat auprès d'elle, coûte que coûte. Et en janvier 2020, je participerai à nouveau aux 24 heures de Daytona. On compte sur vous pour aider ma petite cousine. Et vous, êtes-vous prêts ? Et voilà, vous avez donc découvert le très beau trailer des 24 heures pour Anna, édition 2020. Oui, Gwen, il y aura une cagnotte commune pour Anna et pour Joa. Et donc voilà, la moitié des dons, enfin, la somme sera divisée en deux pour les deux assos. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'info, essayez de vous remontrer tout ça. Voilà donc ce qui est prévu, hein. 24 heures de live, j'espère que vous serez tous avec nous pour nous soutenir, que ce soit en cours, sur le live, sur le chat, messieurs. On espère vraiment tous vous voir lors de ce week-end sur la VDA TV. En tout cas, un grand merci à vous tous. On va revenir donc sur le plateau de course. Alors la qualification va donc être lancée avec 10 minutes de retard, donc 21h40 pour la prochaine et 22h10 donc pour la dernière. Ouais, très très belle vidéo effectivement, comme nous dit Jérémy. Salut à Vince de la VDA également qui nous rejoint. Alors à voir, je sais pas si je vais diffuser les trois séances hein, ce soir. Parce que je suis un peu pris par le temps et c'était pas un live prévu. Donc voilà, on va peut-être faire qu'une ou deux séances de qualification. Voilà, c'est surtout un live test ce soir. Allez, c'est donc parti pour tout le monde dans cette première séance. En espérant que tout se passe bien. Allez, pilote de la PHX Godot, le seul et unique belge
de cette première séance, si je ne m'abuse. Ouais, on vérifie quand même avant de dire de bêtises. Seul belge, hein. La team PHX, nouvelle équipe qui est, je crois, l'académie, enfin la version académie de la Gold Team Racing. Si je ne m'abuse. La Phoenix Esports. Phoenix Esports, bien vu. Le pilote de la TIF, Marlin. Également en piste, voilà, tout le monde a pris la piste. Asma, il a réussi à se faufiler pour la BFR. Kazuya l'ultimate. Kazuya, Paul, on le sait, ça sera un pilote qui sera probablement en poule. Oh. Bah, il a toujours, depuis déjà deux championnats, il est habitué à être en poule, donc je pense que ça devrait continuer. Avec Iceman aussi. Iceman également, ouais. Le pilote grec, on l'a dit, on nous l'a dit, hein, sur le chat. Attention, faut se méfier du grec, hein, ça peut être une très très grosse surprise. Moi, je peux pas dire, je connais pas ce pilote, donc. Allez, tour d'installation pour tout le monde. Paul, là, c'est important aussi de se laisser de l'espace, hein, entre tous les pilotes. Après, il y a certains pilotes qui choisissent l'aspiration, d'autres aiment bien avoir de l'air libre devant. Chaque pilote a ses préférences. Ouais, pourquoi pas, c'est aussi un petit jeu d'aspiration, hein, au niveau. Des équipes, ça se passe mieux, hein. Pour Nani Latif, il n'y a plus de bug. Ouais. Effectivement. Allez, le Belge qui a lancé son tour, Marlin qui est derrière, on peut déjà espérer une aspiration pour le pilote de Latif, hein, Paul. Oh, attention ici! Ouf, ouais, c'est sorti un petit peu large pour la 59 et la pénalité qui vient de tomber, 5 dixièmes. Ça sera un tour à jeter. La première référence viendra donc du pilote belge. Eh, ça s'est loupé pour le belge qui se sort ici avant la descente. Les deux premiers pilotes qui partent à la faute. Alors peut-être Mister Mazur pour aller chercher le meilleur temps dans cette première tentative sur la 91. Et c'est là Jean-Pierre Pilu. Salut à Bruno également, à Bribus. Comment vas-tu, Bruno? Bienvenue à toi sur les antennes de la VDA TV. Alors, il va y avoir deux premiers temps à être validés, mais voilà, je pense que ça sera pas des temps représentatifs. On a vu Godot qui est parti à la faute, Marlin de Latif qui a eu une pénalité, ça sera donc Mister Mazur de la FRGT, je pense, qui donnera le premier vrai temps. On va quand même suivre les premiers temps, voilà, une 34, Mister Mazur. Une 30.7, c'est la première référence. Iceman de la BFR, pourquoi pas directement aller améliorer? Non, 7 dixièmes derrière. Nani de la TIF, troisième temps. Kazuya, l'ultimate, qui vient de faire tomber une 29.641. Le pilote grec, attention, on l'a dit sur le chat, ça pourrait être costaud lui aussi sur la numéro 11. Et deuxième, à moins de 3 dixièmes. Nikos de la VDA sur la numéro 5, qui vient s'intercaler entre le grec Rempes, j'aurai un peu de mal ce soir, et le pilote de Latif. On l'avait dit, Paul, Kazuya, va falloir s'en méfier. Oui, c'est un pilote très très rapide qui fait très souvent tomber les temps de référence en qualif. Ouais, pour l'instant c'est lui qui détient le meilleur temps. On suit Thor de la team FRGT sur cette Ford GT toute rouge, la numéro 23. On voit également de très très belles livrées. Allez, Thor sur la ligne, va-t-il se positionner? Cinquième pour Thor, une 30.7. Ah, et toujours ce son si magnifique de cette Ford GT. Alors, peut-être suivre Marlin qui va pouvoir valider peut-être un premier temps valable, oui. Également le Belge Godot. Eh non, pas de temps validé pour le pilote belge. Iceman qui vient de faire tomber, on l'a pas vu, une 29.500. Nikos également qui améliore d'un petit un petit peu moins d'un dixième.
Pour l'instant, c'est le pilote de la PFR qui mène ses pré-qualifs. Une 29-500, Paul, c'est déjà un très très beau temps. Bah oui, ça se rapproche des temps de référence. Après, il n'y a pas d'usure, donc ça va vraiment jouer sur la connaissance du circuit, là, sur tous les virages. Donc il n'y aura pas de consommation. Ouais. On rappelle qu'on est en mode qualif pur, hein. Y a pas d'usure, pas de consommation. C'est vraiment le chrono là qui parle pour tout le monde. Alors les pilotes sont avec le plein. Allez, Thor peut-être amélioré sur la ligne. Oui, 4 dixièmes de mieux, 5ème pour Thor avec un 1.30-237 pour la team FRGT. Ça remonte également. Et il y a d'autres pilotes là qui vont se présenter sur la ligne. Marlin, pas d'amélioration. Et donc Godot de la PHX de la Phoenix eSport. Une 30.620, la numéro 15, le seul belge de cette première séance. Qui se place donc 7ème. Et c'est très très serré avec Aoux de Latif. 11 millième sur la ligne, pas d'amélioration ici, ça a dû se louper. Le prochain pilote a passé la ligne. C'est de nouveau Thor de la FRGT, 5ème. Thor, ça fait un bon bout de temps aussi qu'on le voit sur les championnats VDA, hein, Paul. Ah bon, bon moi, deux championnats indépendants et ce sont une après l'intégrer la FRGT. Durant le championnat, il me semble. Ouais. J'ai dit les championnats d'avant. Thor qui fait une belle cup aussi, hein, en C7. Qu'est-ce qu'on peut espérer là pour Thor, Paul, selon toi? On rappelle qu'il y a 5 poules. Hein. Oh bah. Il jouait le pool C, C7. Oh bah. Petite amélioration, jouer pool C, pool B. Entre les deux. Dans le ventre mou, un petit peu peut-être, de cette compétition. On suit le Belge qui va passer la ligne. Pourquoi pas essayer d'améliorer? Oui! Quasiment 3 dixièmes de mieux. Ça remonte au 6ème rang. Toujours Iceman hein, qui mène, va-t-il améliorer sur la ligne, on suit ça. Kazuya qui vient de faire tomber le meilleur temps, une 29-400. Iceman est en retard, on l'a vu au chrono. C'est donc Kazuya de l'Ultimate pour l'instant qui mène cette première séance de pré-qualification. Alors on rappelle, il y aura toujours des montées-descentes hein, à l'issue de chaque manche, mais ça sera le classement général qui parlera. Donc voilà, les 14 premiers seront en poule A. 14 suivants en poule B et ainsi de suite jusqu'à la poule E. On rappelle qu'il y a 70 inscrits. Et pour l'instant donc c'est Kazuya qui mène cette séance de pré-qualification. Allez, Nikos de la VDA toujours 4ème. Il est en légère amélioration. On va passer un petit peu en on-board. L'enchaînement ici, hein, loin d'être facile. Salut à Benny de la TGTF. Ouais, Benny, ouais, qui dit également les hostilités sont lancées, c'est donc parti, ouais, effectivement. Alors dites-nous hein, si tout va bien au niveau du son et de l'image. Normalement, on a gagné en fluidité. Voilà, je rappelle, c'est un stream test hein, ce soir. Voilà, on va diffuser que cette première séance parce que voilà, j'ai quelques imprévus derrière. C'était pas prévu que je live, mais voilà, j'en ai profité d'être au studio pour lancer un live et voir un petit peu ce que ça donnait. En tout cas, ça a l'air d'aller. On voulait se rassurer un petit peu. Hein, si vous avez suivi un petit peu la chaîne, c'était un petit peu compliqué les dernières diffusions. En tout cas, ça semble aller mieux. Et Kazuya qui mène toujours cette séance. Il reste 20 minutes pour tous les pilotes.
pas d'amélioration ici sur l'intermédiaire pour le pilote de la BFR, Rempes. 79, le grec, pas d'amélioration non plus. Nikos de la VDA, pourquoi pas sur l'intermédiaire. Amélioration d'un dixième. Toujours son meilleur temps, hein. 1.29.4. Godot de la team PHX, pourquoi pas essayer d'aller améliorer pour la numéro 15. Non, pas d'amélioration sur ce tour-ci. Mister Mazur de la team FRGT. Belle amélioration là, quasiment 2 dixièmes, ça remonte. À 9 dixièmes tout de même du meilleur temps, mais ça remonte pour le pilote de la FRGT. Oh, attention à Wux de la TIF. Gourmand sur les vibreurs, mais ça passe. On va suivre Nani. Pour l'instant, la TIF hein, aux trois dernières positions. Et on vous rappelle donc le programme un petit peu de la VDA TV. Donc jeudi prochain, la première manche sur Autopolis pour cette Ford GT Cup. Et dès samedi soir, les qualifications de la cinquième manche du GT WEC by de la quatrième manche, pardon, du GT WEC by VDA sur Le Mans classique avec la Sauber Mercedes C9, C9, oui, c'est ça, et la Nissan GTR. Ancienne Nissan. Donc rendez-vous pour les qualifications samedi soir et dimanche pour la course sur Le Mans sans chicane. Là aussi, ça va envoyer, Paul. Ah bah, avec des anciennes voitures, ça va quand même envoyer. En plus, sans les chicanes, ça va prendre, ouais, ça va prendre de la vitesse. Ouais, attention au freinage de Mulsanne, hein, qui risque, on risque d'y avoir du spectacle. Iceman qui récupère le meilleur temps, une 29-400. Ouais, samedi prochain. Week-end prochain. Oh, c'est très serré entre Kazuya et Asmine déjà. 29-407 pour Asmine. 423 pour Kazuya. Déjà la bataille qui se dessine dans ces pré-qualifs. Toi, Paul, si on devait donner le meilleur temps entre Kazuya et Asmine d'ici la fin, pas oublier le grec également, sur qui. Allez, sur qui tu mettrais une petite pièce? Dites-nous aussi sur le chat, hein. N'hésitez pas. Je mettrais une petite pièce sur Kazuya. Kazuya, pourquoi pas, aller chercher le meilleur temps pour le pilote de l'Ultimate. Ouais, c'est très serré, ça se joue à coup de millième là. C'est très serré. Est-ce que Nikos pourrait pas aller titiller aussi? Ah, Nikos de la VDA, pourquoi pas, hein. Bah, y a quand même un sacré. Voilà, y a quand même quasiment 5 dixièmes à aller chercher, Paul. Hein. Allez, le prochain pilote a passé la ligne. Godot de la team PHX. Éclipseur un petit peu de la Gold TR, l'équipe Academy. On va arrêter de l'appeler comme ça, messieurs, appelons Rempesques. Il n'est pas facile à dire, le PSN. Bien évidemment, c'est de la plaisanterie. Allez, Godot, le Belge, toujours au 5ème rang, qui a amélioré hein, sur son dernier tour, une 30-187. Pour l'instant, voilà, la totalité des pilotes se tient une seconde 7, ce qui est quand même assez grand finalement. Assez grand et à la fois sur 70 inscrits, c'est voilà. Pas... On rappelle qu'on a 70 inscrits, alors cet écart d'une seconde 7 pourrait encore monter au fur et à mesure des séances. Généralement, c'était 2 secondes la plage entre les premiers A et les derniers en C, c'était 2 secondes. Ouais. Après, tout dépend du niveau de l'ensemble du plateau. Et parce que voilà, Arnold est partenaire de la chaîne depuis 2 mois, c'est pour ça qu'il a
badge d'une autre couleur. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez nous soutenir. En tout cas, un tout grand merci à vous. Ah non, mais je peux encore les deux. Allez, Asman qui améliore, mais il est sous pénalité. Peut-être Kazuya, pourquoi pas aller lui répondre. Je crois pas, Étienne. Je suis pas sûr. Et Kazuya, pour l'instant, qui n'ira pas chercher le temps d'Ice Mine de la BFR. Kazuya ici qui sort large, attention, le pilote de l'Ultimate. Quelques frayeurs, Nikos de la VDA, toujours relégué à quasiment 5 dixièmes. Oh, attention, salut en violet pour Nikos. Salut Gouzin. Salut à Gouzin. Et d'ailleurs, on se retrouvera ce week-end, normalement, potentiellement dimanche, pour les 6h d'ELMS sur iRacing en onboard, à bord de la Porsche RSR 911 sur le circuit Motegi pour les 6h, sans doute dimanche après-midi. Ah, et c'est ça là quoi, c'est ça là quoi, effectivement. Pour l'instant, derrière, ça ne bouge pas. Toujours les trois pilotes de la TIF. Aoux en 1.30.6, 1.30.7 pour Nani. Marlin 1.31.1. Toujours à 1.7 seconde, hein, du meilleur temps. Et Kazuya, pas d'amélioration, donc même de très gros retard. C'est lui à Didou. Ouais, Didou qui sera également sur le championnat pour la Belgian Spirit Racing. Et on nous dit, Fabrice qui nous dit, il verrait bien Kazuya aller chercher cette pole. Pourquoi pas. Attention, il est quand même à l'attaque ici. Et on s'est même sorti là pour Kazuya. Alors on rappelle que les pilotes ne peuvent passer qu'une fois en pré-qualif. Hein, donc là, Paul, si on la loupe, attention. Ouais, c'est... Après, il y a quand même 30 minutes, il y a du temps, hein. Comme on peut voir, ils ont fait 12 tours chrono, enfin moins le tour de lancement, 11 tours chrono déjà. Alors ils ont déjà le temps de faire les chronos. Ouais. Mais attention, il reste plus que 12 minutes dans cette première séance de pré-qualification. Toujours Iceman, hein, de la BFR qui mène. Et oui, comme dit Misery, c'est piégeux, hein, Kyoto Yamagiwa. Regardez ici Asmine. Oh là là, le pilote de la BFR à l'attaque. Est-ce qu'on va avoir une pénalité? Non. Attention, drapeau jaune agité par les commissaires de course. C'est Kazuya de l'Ultimate qui est parti à la faute ici à droite dans le dernier virage. Et l'amélioration. Nice Mind de la BFR, une 29-366, c'est la première référence, messieurs. Et ça attaque, ça continue de pousser. Nouvelle référence qui vient de tomber, une 29-366. Arnold, je te laisserai prendre tous les screens. Parce que moi, je vais, voilà, je vais couper la diffusion à l'issue de cette première séance. En tout cas, également, on remercie Arnold et Franco qui s'occupent à merveille de cette organisation. Un grand merci à eux. Ouais, Iceman qui relâche. Tour à jeter. Nikos de la VDA qui a amélioré. Une 29-771. Et ça sort pour la numéro 5 ici. Un petit peu large. Ouais, on a fait l'annonce, hein, Misery.
voilà, on le refera lors. Je pense qu'on fera un live juste pour l'annoncer, ou du moins une petite vidéo. Faire une présentation un petit peu plus officielle. On essaiera d'avoir Sébastien Poitvin sur Discord ainsi que Yohan Kai. Allez, Rem Peskes toujours 3ème à 2 dixièmes du meilleur temps. Ah, c'est les. Ce sont les organisateurs hein, des deux associations. Ouais, le pilote, effectivement, Fabrice, hein, 57 millième hein, entre les deux pilotes, cette bataille. Toujours qui fait rage à 9 minutes du bout, mais pour l'instant, avantage BFR. Et c'est souvent le cas sur nos antennes, la BFR vraiment en forme. Rappel, hein, Cornet s'est imposé lors de la C7 Cup by VDA. À la très grosse lutte avec Supra NB également de la MP Racing qui a rempilé hein, pour cette Ford GT Cup. Si, grand absent, Supra. Ouais, ouais, Supra absent, effectivement. Premier championnat. Et Iceman qui a fini en C7 5 ou 6ème, il me semble. Ouais, il a fait une bonne cup aussi, hein, notre ami Iceman. Iceman. Régulier. Pseudo toujours atypique. Oh, j'ai vu un changement ici. Et c'est Godot qui est dans la voie des stands. Donc son temps voilà, est retiré du tableau. Mais dès qu'il revalidera un secteur, il retrouvera donc sa position. Allez, prochain pilote à passer la ligne. Aoux de Latif. Tour loupé pour lui, son coéquipier de Latif, Nani, pas d'amélioration non plus. On a un pilote à l'arrêt, c'est Rem Peskes. Attention, drapeau jaune agité par les commissaires de course. De la team FRGT, pas d'amélioration ici. Le prochain pilote à passer la ligne, c'est son coéquipier Mister Mazur, qu'on retrouve également au GT WEC. Ah, on a bien arrondi la trajectoire pour avoir une meilleure sortie pour le pilote français. Malheureusement, ça ne perdra pas sur ce tour-ci. Attention, on a quelques pilotes un petit peu à l'arrêt. Kazuga de l'Ultimate. Pourquoi pas aller chercher le meilleur temps? Ça me paraît loin. Ouais, une seconde 7, c'est un petit peu loin. Allez, pour Kazuya, il va pas y avoir 36 tentatives là déjà. Déjà, essayer de mettre une petite pression sur son adversaire potentiel. 7 minutes du bout. Iceman, pas d'amélioration. Rempeskes non plus. Nani qui améliore au 5ème rang, très belle remontée là du pilote de Latif, une 30-0. Ouais, les interviews en anglais les gars on va éviter. Hein. Je dis ça c'est pour vos oreilles. Ce sera sans moi. Oui, Paul va le faire. Non, je te laisse le faire. Nana Rocher. Y'a pas de chef à la VDA. Y'a que des fondateurs et des admins, y'a pas de chef. Ouais. World Alt, hein, c'est lui qui a proposé quand même. Hein. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Je pense qu'Arnold va s'y coller. Hein. Allez, on a. Allez, c'est bon, c'est voté. Allez, Rem Peskes, attention, j'ai cru le voir allumé en violet, le pilote de la numéro 11. Il va rentrer dans le dernier secteur. Eh non, sur l'intermédiaire, on est de nouveau en retard. Avec Kazuya l'Ultimate Racing peut-être. Non, toujours derrière. Pour l'instant Iceman qui mène.
Et ce bruit, hein, ce bruit de cette voiture, cette Ford GT40. Quelle mélodie. Oh, c'est parti à la faute ici pour Marlene de Latif. Ouais, qui s'est bien sorti là, le pilote de Latif. Ah, effectivement, Étienne. En tout cas, encore pour moi, l'occasion de tous vous remercier depuis le début pour toutes vos donations sur la chaîne. Ça a permis de voilà, financer le fond vert, la qualité d'image également. Donc, un tout grand merci à vous. Ça fait énormément plaisir. On rappelle qu'on est un petit peu la petite chaîne du Sim Racing. Voilà, on est un petit peu les petits poussets. On vient de débarquer il y a un petit peu plus d'un an. Et quand voilà, on retrouve un petit peu quand on retombe sur les archives de la chaîne, les tout premiers lives, voilà, c'était compliqué, hein, qu'on se le cache pas. Et voir l'évolution voilà, en un an, ça fait énormément plaisir. Et encore l'occasion pour moi de tous vous remercier. Allez, Kazuya, peut-être non. Iceman de la BFR. Qui améliore, 22 millième d'amélioration, une 39-344. Alors c'est vrai que je dois avouer, hein, j'ai pas trop surveillé les temps de practice. Et, est-ce que je pense, hein, Paul, on aura du 1-28. Oui, enfin, comme des BFR Supra, Hornet, on sait très bien qu'ils peuvent descendre les chronos. Une 28, une 27, je sais pas trop, dites-nous hein, sur le chat, peut-être que voilà, vous avez pu voir quelques chronos hein, durant la semaine. En tout cas, pour l'instant, c'est un 1.29.344 qui donc, donne chronos, le tempo. Je pense que un bon 1.28, ce sera des... Allez, Godot qui ressort de la voie des stands. Les pilotes de Latif toujours au fond de cette première séance de pré-qualification. Kazuya de l'Ultimate. Oh, l'amélioration! Une 29-368, 24 millième entre les deux pilotes. C'est l'ultime tentative, il reste 2 minutes pour Kazuya si on veut déjà aller chercher... à titre voilà, symbolique, cette pole position, ce meilleur temps pour l'instant de ces pré-qualifs, c'est Iceman qui l'a. 24 millième entre eux, les deux pilotes. Et là, c'est le money time pour tout le monde. Pas d'amélioration sur les secteurs pour Iceman, pour Kazuya, pardon. Oh là là, la petite sortie ici. Le pilote grec, où en est-il? Faut pas l'oublier, hein, il est bien remonté, il est à 2 dixièmes hein, du meilleur temps. Nikos de la VDA, il faudra le surveiller aussi. Aïnani, Latif sur la numéro 28. Dans ce long gauche, attention à pas sortir large ici. On a vu beaucoup de pilotes sortir assez large. Oh Nani! Oh attention, l'énorme travers ici du pilote de Latif. Pas de dégâts, mais énormément de pertes de temps. Oh, attention, Thor également, la team FRG était tout en glisse dans l'enchaînement ici. Ah bah on va en reparler hein, à la fin de la diffusion, messieurs. En tout cas, on suit pour l'instant les leaders. S-Mine, 24 millièmes d'avance sur Kazuya.
Et dernier tour pour tout le monde. Ouais, c'est le dernier tour en cours pour tout le monde. Ice Mind de la BFR. Oh, attention, l'énorme travers ici du pilote de la BFR. On va sans doute pas pouvoir améliorer, mais Kazuya sous pénalité, ça n'améliorera pas non plus. On suit peut-être le pilote grec qui peut peut-être aller chercher le meilleur temps pour la numéro 11 à l'issue de cette première séance de pré-qualification. C'est le dernier tour pour tout le monde, messieurs. Alors, le prochain pilote a passé la ligne. C'est Kazuya l'ultimate, mais sous pénalité, c'est terminé pour Kazuya. Le pilote grec peut-être. Non, pas d'amélioration non plus. Nikos de la VDA, pourquoi pas essayer de remonter dans le Money Time, non. Et c'est donc terminé pour cette première séance qui est donc menée par la BFR avec un 1.29.344 en premier temps référence. Voilà un petit peu. Donc d'autres pilotes hein, vont arriver pour la deuxième séance. Nous on va couper la diffusion. Voilà. Ah, c'était pas prévu que je live ce soir, mais voilà. Au moins on s'assure que tout fonctionne. Puis j'ai quelques imprévus derrière. Donc je peux pas trop rester. En tout cas, un grand merci à tous de nous avoir suivis. On va pas couper tout de suite. Mais voilà, le premier temps référence, 1.29.344 pour le pilote de la BFR. Félicitations à lui, Kazuya, 24 millième derrière. Le pilote grec, un petit peu plus de 2 dixièmes du meilleur temps, Nikos de la VDA. C'est un joli temps aussi, Paul, pour Nikos. Très joli temps, qui est un pilote pas forcément habitué à rouler sur Gran Turismo. Il roule plus sur, F1, ouais. F1. Très très bon temps. Nani de la TIF qui est bien remonté dans la dernière partie de qualification. Cinquième temps devant Mister Mazur pour 17 millièmes. C'est très très chaud. Lionel Tillier, Thor à 38 millièmes derrière pour la team FRGT. Godot, oh, c'est très très serré là entre les 4 pilotes. Et donc suivi donc, de Aoux et de Marlin. Voilà pour donc la première séance de qualification. On va revenir sur le plateau de course et salut LSCI Motors Media. Eh ben tu arrives quand on va se quitter. Malheureusement, voilà, c'était un petit live test hein, ce soir, je le rappelle, c'était pas un live officiel. Donc voilà, nous on s'assure que tout va bien ici à la régie parce qu'on a eu beaucoup de soucis ces derniers temps. D'ailleurs, on s'en excuse. Mais voilà. Juste avant de couper, on va revenir un petit peu sur le gros event de la VDA. On se lance un gros challenge donc pour la fin de l'année. On va vous le mettre à l'écran. Ça sera donc un stream de 24 heures, un très grand marathon, un événement caritatif. On va essayer de rassembler un maximum de dons possibles pour les deux assos, donc pour les 24 heures pour Anna et pour Joya et la guerrière. Voilà, c'est deux enfants qui sont malades et voilà. On souhaite voilà, apporter notre soutien, donc on fera notre maximum. En tout cas, vous voyez donc le programme. Hein. On compte sur vous, même au milieu de la nuit, messieurs. On fera, on restera en live, hein. Quoi qu'il arrive, on va tenir et on va essayer d'apporter vraiment tout ce qu'on peut. J'espère que toute la communauté va pouvoir se mobiliser là-dessus et pouvoir vraiment aider ces deux causes, parce que c'est très important, messieurs. Voilà, on le sait, le sim racing, tout le monde prône la solidarité entre team, entre pilotes, bah c'est le moment voilà, de le démontrer du mieux possible. Et donc on se retrouvera donc le samedi 14 et dimanche 15. J'aurai besoin de vous également sur le chat pour m'aider à tenir pendant ces 24 heures. Donc je compte vraiment sur vous, messieurs. On va se quitter sur le trailer des 24 heures pour Forana. Et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la reprise et diffusion. Ça a été très calme ces dernières semaines, on a eu beaucoup de soucis. Là, visiblement, ça a très bien marché. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se quitte sur le trailer des 24 heures Forana. Ciao, messieurs, au revoir. Allez, bonne soirée à tout le monde.
Sébastien a décidé en fait de se lancer ce défi de faire les 24 heures tout seul. La petite, on veut qu'elle aille mieux, qu'elle puisse sortir de l'hôpital et rejoindre ses parents, avoir des bonnes conditions de vie. Et la moelle osseuse, en fait, qui ne régénère pas les cellules sanguines. Maladie qui coûte très cher et qui est très peu connue. En tout cas, une très très belle initiative. Bravo à toi, Sébastien. Alors, regardez l'image, regardez l'image. Sébastien et Sophie qui font le cœur avec les doigts, là, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. En janvier 2019, la communauté du simracing a réalisé de grandes choses pour aider une petite fille qui se bat contre la maladie. Malheureusement, le combat d'Anna est loin d'être fini. C'est pourquoi, moi et ma fille Iliana, la grande cousine d'Anna, avons pris l'engagement de continuer le combat auprès d'elle, coûte que coûte. Et en janvier 2020, je participerai à nouveau aux 24 heures de Daytona. On compte sur vous pour aider ma petite cousine. Et vous, êtes-vous prête?